YouTube, et ben nous revoilà, moi et Silent Genius, bonjour. Bonjour. On va en faire genre, tu sais, ça fait pas 2h30 qu'on joue ensemble. Et on va faire le dernier niveau de Mario 3D World. Non ? Non. Non. Ah, d'accord. Hop. Tac. Je lance. Bah ouais, mais des vols de colis, oui, non, c'est pas comme si c'était un truc courant, quoi. C'est bon. Je suis... j'ai balancé le... J'ai lancé le truc. J'arrive. Oh, elle est là. Hop. T'es tellement streamac, là. Attends, t'as vu le code en haut à droite, c'est ça? C'est parti. Allez. Allez. Non mais pas le dernier niveau, on va chauffer un peu quoi avant. On en était où? Sur un malentendu, on sait jamais. imagine, imagine first try. On était au monde Bowser. Ah bah oui c'est vrai. Il est où? Il est là. Hop. Celui-là on l'avait fait, ouais. Ouais, on avait fait le premier versus les autres. Non, mais la meilleure console, Bibi, hein, franchement. Voilà quoi. Ça marche. Ah, ça y est. Ah, non, c'est pas... Ça y est. C'est quel bouton pour sauter? Comment on fait pour accélérer le kart? C'est ça. Ah, on peut passer en bas. Cool. Bah oui. Là, je t'ai rappelé que ça fait longtemps que j'ai pas fait ces niveaux. Zut. Ça y est, on est parti là, on gêne, on est bien. Ce sont des biscuits. Ah non, j'ai tombé. J'ai rien fait pour une fois. Mais te défends pas direct là, hein? Tu sais, c'est la meuf super coupable, c'est... Non, mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Hein. Ah. On a fait la même. Vas-y, je t'attends. Mais je vois rien en fait. Ah. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah bah je t'ai chopé. Et attends, je t'amène à la fin du niveau, promis, je ne vais rien faire de méchant. Fais-moi confiance. Ah, j'y étais, j'ai presque réussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu redescends? Mais pourquoi tu meurs? Oh là là. Des bisous Bibi, plein de bisous. Mais pourquoi j'arrive pas à monter? Allez Todd, tu peux le faire. Oh mais merde. Oh mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, Genius? Je sais pas. On joue à Mario Kart plutôt. On va se faire un petit Mario Kart finalement. Ah voilà, voilà, parce qu'il faut sauter sur les piranhas en fait. Non mais regarde, hop, 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 voilà. Putain, évidemment. Non mais c'est pas grave. C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Ah, oh, puis regarde. Du power-up. Ah non, merde. On va pas de power-up. Mais... Oh, je compte sur toi. Hein. Vas-y. Allez. Mais non! On peut le faire, on a pas le temps! Quoi? Mais t'as fait quoi? Ah, mais t'as été dans le. Je suis tombé, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis sur ta tête. Je suis sur ta tête. J'ai rien compris ce qui s'est passé. C'était le niveau bonus, ça? Bah là, t'es dans le bonus. Et on est mort. Alors qu'on avait réussi à passer. Si on meurt dans le bonus, c'est pas normal. C'est vrai, c'est con. Dans le Crash Bandicoot, tu meurs pas quoi. Niveau bonus. Ah. Non seulement tu meurs pas, mais en plus tu peux les faire plusieurs fois d'affilée si tu les as loupés. C'est ça. Et ça, c'est bien.
Oh putain, non mais je vais croire. Non. Ah regarde, il y a un truc là. Merde, j'ai loupé. C'est bon, non mais regarde. Je vais nous sauver, promis. Regarde ça. Tu vois, je fais de la place. Formidable. Tu tombes pas, hein. Ah, on va y arriver. T'as dit quoi? Je suis pas tombé. C'est bien. Regarde, je t'amène jusqu'à la fin. Non mais attends, vite, vite. Bah oui, mais c'est toi. Ah merde. Pourquoi tu as fait ça? C'était pour faire une blague. Je trouve pas ça drôle. Tout. Désolé. Bah c'est surtout pour toi quoi, du coup faut le refaire. C'est vrai. J'ai 400 points. 400 points, pas mal. Pas mal. Oh merde. Oh merde. Voilà, bah je me suis auto-troll du coup hein. Tout à fait. Ah merde. Ah mais regarde, maintenant j'ai le power-up donc c'est ok. Ah non, c'est devant. Ouais, non mais là, je pense que vu notre niveau, on est prêt pour le dernier. Hein. Tu essaies de me faire dire oui, là, en fait, mais non. Allez. J'arrive pas à monter, pourquoi il monte pas? Mais, Todd, allons. Faut que tu m'obéisses un petit peu. Vas-y, j'ai fait de la place. En fait, je suis tombé derrière les cuits qui tournent. Tiens, vas-y, prends le... Nice. Oh, quelle équipe. Tu disais... Je disais quelle équipe de 1. Cette équipe de 1 est vraiment formidable. Puis là, je regardais ton personnage. C'est bon. Ah bah oui. Je me suis dit, bah, je joue bien quand même. Mais non. C'était pas moi. Bien tenté. Non, 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 le poteau. Oh, elle a encore sauté à côté du poteau. Je l'ai pris, arrête. Ah, je vais crever, hein, je vais crever. Ah, bien. Allez, ça va être plus simple. Là, c'est évidemment, on se chauffe avec Luigi et puis Toad aussi. Comment veux-tu qu'on y arrive? Bah, on a réussi. Oui, bah oui, mais bon, ça a été compliqué, quoi. Oh, comment... Je suis passé dessous, moi. Ce tuyau, j'y arriverai pas, décidément. Il y a un problème avec ce tuyau, ouais, je crois. Tu noteras que j'ai réussi. Oui, vas-y. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Hein. Bah écoute, tu m'as jeté vers l'avant. C'est pas ce que tu voulais. Oh putain, mais c'est chiant. Par contre, c'est tellement chiant ce truc. Ce truc de quand tu prends un power-up, ça freeze un peu et du coup, j'ai pas le saut. C'est tellement chiant. Voilà, on y arrive tout de suite mieux, hein.
Ouais. Vive les princesses. C'est ça. Va vraiment falloir cette fois-ci qu'on analyse comment ça marche les points, hein, parce que on comprend toujours pas. Hop. Il doit y avoir une histoire déjà avec la couronne. Ah, ça se trouve en fait, c'est plus tu gardes la couronne et plus... Ah. Ah. Voilà, ça marche comment ça du coup? Oh, me dis pas qu'on peut appuyer tous les deux. Si si. Non. Bah si. Non. Mais si. Non. Faut aller où? Tout droit. J'ai cru qu'on était mort en fait. Là faut aller tout droit, hein. Entre les deux statues de Bowser. Ok. Après il y a des flèches. Oh là là. Les sauts. Ça. Bah parfait. First try quoi. C'est le meilleur niveau ça là. Ah oui, je regardais Peach, donc forcément je suis pas parti du front. Attends, je te porte. Ne t'inquiète pas, je te porte. Non ! Pourquoi ça ? Mais je vois rien ! Bah ouais ! Putain. Je suis sorti du champ de la caméra. Mais quel jeu de merde. Bon, la prochaine fois, tu me jettes d'abord et ensuite tu sautes sur les drapeaux. Bah ouais, en fait, je pensais que quand j'allais choper le drapeau, tu sais, en fait, je t'ai pas jeté, mais je pensais que, tu sais, en touchant le drapeau, ça nous touchait tous les... Enfin, on l'aurait touché tous les deux, quoi. Bah non. Mais non, en fait, ça te jette. C'est dégueulasse. C'est pas grave. Mal propre. C'est pas grave, regarde. On y retourne avec plaisir. Tu aimes tellement ce niveau que tu voulais le faire trois fois, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bah non, mais tu m'as dit que c'était les meilleurs niveaux, donc bah voilà. Toujours tout droit. Aïe. J'ai tourné, hein. Ah ouais? Toi tu joues pas. Je te vois. Mais du coup, si tu tournes pas, en fait, ça marche pas, quoi. Ah bah si, c'est juste que t'as pas assez tourné, quoi. Ah là, je t'ai pas bloqué, ouais, hein. Tu peux pas dire que je t'ai bloqué, hein. Aïe. Pour moi, il attend que les deux joueurs le fassent en même temps, quoi. Ouais, il y a peut-être un... Il y a peut-être un truc, quand même. Je t'ai plus fanfaronné sur ton stream. Mais pas du tout. Voilà. Je voulais que tu montres ton skill à la, à la terre entière. Hein, du moins à mes 4 viewers. Dont toi d'ailleurs. Donc, c'est tout quoi. Le drapeau maintenant. Voilà, au moins ça sera bien. Eh, enfin un niveau, on va pas galérer avec Toad et Luigi. Théoriquement, oui. Voilà.
Oh là, mais ce niveau il est tellement beau. Enfin, ce monde est tellement beau. Plein de lumière. Ah! Oh! Qu'est-ce que tu disais avant qu'on commence avec Todd et Luigi? Je disais que on allait pas galérer avec Luigi et Todd. Voilà ce que je disais. Non mais je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être le netcode. C'est le netcode qui a déconné. Oui, vraiment. Comment ça rame, n'empêche, putain, c'est ouf. Ouais, une gros lag. Tu tues 3 ennemis, le jeu il est en PLS, enfin la console elle est en PLS quoi, c'est... Oh, bientôt il y aura la Switch Pro. C'est ça? Oh! Mais c'est impossible de... Oh, c'est... J'y crois pas. JPP de Todd et Luigi. Putain, même quand on les joue pas, en fait, c'est compliqué. Et comment on a fait pour aller trop loin? Trop de vitesse. On est trop bon, en fait. On a été punis parce qu'on est trop bon en jeu. Non, mais... Oh là là. Non, mais... Je te propose qu'on fasse tous les niveaux avec Harmony et Peach, hein. Oui, avec plaisir. Et puis on oublie les deux là, en fait, c'est pas obligatoire. Oh mais... Quelle horreur. Allez, on se cogne la tête. Drôle, ça c'est drôle, ça me fait rire. Pourquoi t'es méchant avec Plessis? Qui t'a fait? Je sais pas. Ah, la console qu'on veut plus. Oh, t'y crois vraiment toi à une Switch Pro? Oh, je serais pas étonné qu'il y ait un nouveau modèle de Switch. Ouais. Ça s'appellera pas Pro, ça c'est sûr. Parce que Nintendo, ils ont une image grand public et s'ils mettent un truc Pro, ça va pas le faire. J'ai pas accéléré moi à ce moment-là. Et oui, je pense qu'ils vont sortir un nouveau modèle, c'est dans leur politique. On a eu la 3DS, la New 3DS. Pas de raison qu'il n'y ait pas une New Switch. Ah, c'est la seule console avec laquelle ils ont fait ça. Hein. Sur les consoles de salon, ils ont jamais fait quoi. C'est un jeu Wii ou la... Ouais. Ah, y a Number qui est... Ouais, c'est vrai. C'est un jeu Wii U quand même, qui tourne sur une meilleure console, et le truc arrive quand même à ramer. Ah, ouais. Pas c'est Nintendo. Ouais, mais ils se concentrent sur le gameplay, pas sur la puissance, tu vois. Non, mais ça c'est clair, ils ont de très bonnes idées, quoi, mais c'est vrai que techniquement, ils sont à la ramasse, quoi. T'as vu le... Merde, Horizon, le futur projet Horizon, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Forbidden West. C'est ça, ouais. Et tu as vu qu'il y a la paravoile dedans. Ouais, bah après ça, c'est pas un truc spécifique à Zelda non plus. Hein. Ça existait déjà avant. Ah bon? Où ça? Oh bah, je te retrouverai les exemples si tu veux. Mais... Aïe. C'est Nintendo. Oui, j'ai plus... T'as vraiment failli crever juste pour récupérer la couronne, quoi. Tu crois que je t'ai pas vu? C'est la faute de Todd. Ouais. Si je meurs. Mais heureusement qu'il... Mais il m'a poussé! Ouais. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Attention, les spermatozoïdes. Oh! Putain, le jeu, il m'a sauvé. Hein.
Ils sont pas dans le milieu, t'inquiète. Il faut aller où? Ouais. Ah mais comment je... Mais pourquoi? Ah bah d'accord. Bah j'étais pas dans le milieu en fait, c'est pour ça. Je comprends rien à ce niveau. J'ai l'impression d'être morte 50 fois, mais en fait non. Pas du tout. Pour une fois. Attends, on peut aller sur la... Je crois qu'on peut aller sur la cheminée. Ouais, et... Et bah je te donne un cœur, enfin un... Oh, un champi. Mignon. Tu vois. Bah, je vais être gentil, voilà. Merci, Tonya. De rien. Ça me fait plaisir. Pourquoi tu me balances sur Boom Boom? Dis donc. Mais pas du tout. Tout ça pour pas que je marque de points. Merde, c'était pas elle. C'est elle là-bas. Tiens, t'auras pas la dernière pièce. Je vois que t'as pas confiance. Pas du tout. C'est juste que je me dis que t'allais pas sauter sur le poteau. En jeu de paravoile, on avait Pilot Wings. Bah, je connais pas du tout. C'est cool, Pilot Wings. Je connais pas. Il y en a un qui est sorti en 3D tout au début de la 3DS. Ah, d'accord. Okay. C'est l'un des meilleurs jeux en 3D sur la 3DS d'ailleurs. Ouais, non, moi j'ai une DS. Mais j'ai vraiment pas joué à grand chose dessus en fait. Hein, j'ai fait les Zelda dessus. J'ai fait Mario et Luigi au centre de Bowser. Et puis globalement, c'est à peu près tout. Hein. J'ai pas joué non plus énormément. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai sauté dans le vide. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Mais bah. Pourquoi je suis morte? Ah bah je sais pas non plus. J'étais en train de tournoyer. J'ai pas compris. Bon moi je suis morte. Merde. Bah pas moi. Bah pas moi. Voilà. Attends, ah oui c'est vrai, bah oui. Non mais c'était que pour toi. Je voulais pas t'embêter et te faire perdre du temps. Oui toi t'en as pas besoin, c'est ça. C'est ça. Je... Merde. Mais... Bon bah voilà, ouais. Personne en a besoin du coup. C'est comme ça. J'ai rien dit hein. J'ai rien dit hein. Ah t'as sauté trois fois les trois fois à côté hein. C'est la perspective de jeu, écoute. Je m'y ferai jamais je crois. T'as sauté après moi? Bah je t'ai attendu en fait. Ah. Je suis sympa. Ouais mais je t'attendais aussi alors. C'est les deux cons devant le poteau. Vas-y. Et là, 0 seconde. Non mais je comprends vraiment pas. Non mais je cherche plus. Oh, non faut que j'arrête. Faut que j'arrête parce que je suis en train de tilter à cause du score et je le piche pas et ça m'énerve. Faut que je pense à autre chose. Bah, c'est le nombre d'ennemis tués, le la couronne je pense. Et après il y a le drapeau à la fin. Je sais pas. Coucou, re-Quick Ben. Désolé j'ai pas entendu ce que tu disais. Les pièces qu'on récupère. Ouais. Non mais j'ai pas l'impression. Là sur le boss t'as marqué tous les points. Donc oui non là dessus ouais d'accord mais... Mais...
Faut pas toucher les spermato. Ah. J'ai mal négocié mon virage. Faut aller où ? Faut aller en haut. Là, oui. Ah oui, d'accord, c'est chiant. Ouais, non, d'accord, c'est chiant. Vas-y, Harmony, tu peux le faire. Je crois en toi. Ma ludothèque 3DS est presque complète. Je parle juste des jeux qui m'intéressent. D'accord. Bah moi aussi en fait. En fait moi ma ludothèque 3DS était complète. J'ai juste fait les jeux qui m'intéressent. Oui, il y a les professeurs Letton qui étaient cool. Ah j'ai fait le premier, ouais, effectivement. C'est vrai aussi. Sinon du Delta Pan par voile, il y en a dans Sonic 2, c'était nul. Zelda Wind Waker avec la feuille. Ouais. C'est vrai. Bah merci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ah mais non, je... Putain, mais je regardais pas le bon perso. T'es époustouflé par mon skill. Ah non, mais je trouvais que je jouais bien en fait. Mais c'était toi, finalement. Bah oui, c'est ce que je dis. J'ai acheté une 3DS Jap pour travailler mon japonais. Eh bien, je joue jamais en vrai. Ouais. Mais je sais pas, mais qu'est-ce que vous avez tous avec le Jap là ? Moi ça m'a jamais. Ça m'a jamais attiré. Hein. LOL, Twitch sur le grand écran loop. J'ai rien compris. Mon frère est japonais. Ouais. Elle a qu'à parler français comme tout le monde. Aïe ! Ah bah oui, bah oui, évidemment. J'avais oublié. C'était Luigi. Mais t'as perdu ta couronne ? Bah oui, je me suis fait toucher dès le départ, quoi. J'aime bien les dramas japonais, j'arrive juste à comprendre des phrases simples, mais pas chercher à comprendre. Merde ! Putain. Non, je lisais pas le chat, c'est pas vrai. Putain, mais deux fois de suite. Putain, quel con. Moi, je vais t'attendre. Mais non, mais c'est... Mais c'est infernal, mais... Oh là là, mais quel jeu de chiasse. Ah, le jeu qui troll à mort. Oh non, mais vas-y, non, mais vas-y, j'en ai plein le cul. Tu m'as Mario Kart. Ah, je sais pas, mais... J'ai envie de comprendre sans lire les sous-titres. Par les faire et pas... Mais arrête de lire le chat quand tu... Oh là là. Tous les... Ah, tous les deux. Tous les deux, on a fait deux sauts à côté. Hein. Au moins deux, oui. Mais ça sert à rien cette phase en plus. J'allais dire exactement la même chose, j'allais dire mais en fait ça sert à rien de faire ça avec Plessis là, c'est juste nul. Ah tu le veux ton chat hein. Tu l'as pas eu tout à l'heure là. Peut-être pas le garder longtemps mais...
je suis pas morte. C'est bien. Ah mais je savais pas mal Ezekiel. Ta mère s'est mariée 4 fois et ton père 3 et t'as 9 frères et sœurs tout issus d'un lit différent. Waouh. Putain allez. Repas de famille c'est compliqué hein. Bah t'as gagné. Joli score. Ta-da-ta-ta-da-ta. Oui c'est pas... Oui c'est là. Oui. Ça y est, je perds la boule, ça y est. Ah oui. Ah d'accord. Mais pourquoi tu m'as tapé? Ah j'avais oublié ouais que, hein, qu'on faisait ça. Hein. Il y a le Friendly Fire dans ce jeu. Ah c'était fait exprès, arrête de te marrer, c'est bon. Hein. Bah, c'était pas pour me faire rire. Non, c'était pour baisser le rank. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris l'étoile? Ah mais d'accord, quand, vu que t'es morte, c'est moi qui récupère l'étoile. Bah écoute, je sais pas. Ouais. Mais elle saute dans le vide. Mais elle saute dans le vide pour de vrai. Hein. C'est fini, j'ai bien joué sur deux niveaux. C'est fou. Aïe! Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'on n'a pas le temps, allez regarde. Hop voilà, on n'a pas le temps. Merde, j'aurais dû te jeter en fait. Là c'est le moment où j'aurais dû te jeter en fait. Allez. Eh pas le temps. Hein. Regarde, moi j'y vais. Hein. Merde, quel con. Bon. J'ai évité de faire comme toi. Allez, non, speedrun. Mais non, mais à chaque fois je me prends le truc là. Je sais plus comment ça s'appelle. Non ! Bon, j'ai pas. Non, bon, le speedrun était pas trop, trop rapide. Mais quand je fais du slow run, hein, écoute. Vas-y, moi je te regarde. Depuis ma bulle. Bah je vais sauter dessus, pourquoi je suis morte? Parce que le jeu est bugué. J'ai vu ta tête sur ton stream. Le désespoir. Pas du tout, c'est je pensais à autre chose. Alors attends, il y a un truc par contre, quand tu t'amuses à jeter l'autre dans le vide, le principe c'est de pas te jeter toi après dans le vide. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai lancé mon poumon qui était à côté quoi. Ah m'a jeté, elle s'est suicidée juste, elle a regretté direct, elle a dit oh non j'ai pas pu faire ça, et paf elle s'est suicidée du coup. Voilà, tout à fait. Devant tant de culpabilité. J'adore quoi. Vraiment, hein. Je te jette et puis bon, finalement je me tue. Putain, je lui file le power-up pour qu'elle le perde aussiment. Et moi je me casse. Allez, il y en a marre. Allez, salut. Hein. Non ! Putain, il peut remonter. Oh, génial.
Génie. Merde, par contre j'ai fait le con là. Ça va être quoi le bonus? Merde. Vas-y, je compte sur toi. Fais-nous rêver. Trop bien. J'y croyais pas, hein. Bah si. J'ai jamais douté. Jamais. Mais... Il y a eu un faux. Ah mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Ah c'est vrai qu'on est toujours au début, hein. Non, on est à la moitié, là. Ah bon? Non. C'est pas un checkpoint, le... Je sais plus. Bah j'avance, hein. T'as regardé, je l'ai tué, c'est bon. Merci. Tu peux y aller. J'attendais juste. Mais... Oh là là, les sauts de Luigi, mais... J'ai tellement pas hâte d'être au dernier niveau, quoi. Je te pousse en fait, tu vois. t'as pas le choix d'avancer. Ah ça y est, c'est la fin, regarde. Ah merde. Je t'ai vu en sauter à côté. Non, c'est pas vrai, mais c'est parce que je lisais le chat. Évidemment. C'est pas gentil, hein. Dire que c'est la faute du chat. Bah un peu quand même, hein. Souvent, hein. Je pense que... Une fois sur une... Oh, t'as vu le même score. Magnifique, ouais. Et le score était vraiment nul à chier, autant toi que moi, regarde. Mais une fois sur une, quand je me plante dans un jeu, c'est la faute du chat. T'as vu que c'était le début? Bah pourtant il y avait un drapeau quand on recommençait. Ah non, c'est pas le début, non, regarde, c'est pas le début. Merde. T'as dû mâcher la manette là. Non, c'est la faute. Hein? C'est la faute CDE. Ce qu'il y a entre la manette, clavier et la chaise. On y est pour rien. A priori, quand tu tapes mal, c'est de la faute de la même, du même truc, hein. C'est de la faute de l'interface chaise-clavier. Hein. Ah, bien joué ça. Mais ah non, attends, c'est le bonus, on s'en fout. Mais... Et c'est le suicide. Bah non, mais j'ai tournoyé, j'aurais pas dû mourir. Ah, attends, bouge pas. Hein. Voilà. Tu t'es incrusté dedans la robe quand même. Son poteau. Ah bah ouais, elles sont très proches toutes les deux. Mmh.
Allez, le petit niveau avec les fantômes. Lure d'espoir au manoir. Oh, c'est celui qui est chiant, je crois. Je crois que c'est celui... Ah merde, bisous. C'est pas ma faute, c'est le jeu, il m'a forcé. Non, je voulais pas faire ça. J'ai pas le temps d'attendre. Allez, salut hein, je me casse. Le jeu qui arrête la bulle juste au bord de la plateforme, c'est dégueulasse. Quand tu reviens, t'es à deux doigts de mourir. Ah oh, putain, mais on dirait tellement qu'ils ont une petite moustache d'Hitler, hein, les fantômes. On sait que c'est leur bouche, hein, mais franchement... Je fais pas attention. Tu regarderas quand ils ouvrent la bouche, en fait. On a vraiment l'impression que ça fait une petite moustache, genre Hitler, quoi. Je sais pas comment ils ont fait pour pas s'en apercevoir, tu vois. Enfin, pour pas s'en rendre compte. Faut pas le corriger. Ouais, oui, c'est oui, en plus. Ah, je crois que tu savais, moi. Bah non, j'en sais rien, moi. Je sais pas jouer au jeu, moi. Parfait. Regarde. Ah oui. T'as vu? Ouais. Merde. Bonne chance. Bah y'a du monde là, qu'est-ce qu'il y a? Paniqué. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. C'est surtout que j'ai perdu la lumière là, c'était mort avec les fantômes, puis il y avait tous les squelettes. Je suis un peu agoraphobe moi, tu vois. Ah ouais? Pour de vrai? J'aime pas quand il y a beaucoup de monde. C'est pas au milieu. Pas à gauche non plus, je crois. On peut le faire. C'est nul les gens. Comment ça c'est nul les gens? Les gens sont nuls, ouais, non, ça on savait. Je peux pas faire ça, moi. Mais reviens. J'ai essayé. C'était justement pour pas qu'on ait trop les petits connards sur la plateforme, tu vois. Oh, quel travail d'équipe. Non! Il y avait le gros. Ah d'accord, par rapport à la Fabianphobie. Non! Merde. Mon rêve c'est de vivre dans un univers genre seul tout, mais sans Eric ni Ramzi. Oh là là, c'est pas gentil. Qu'est-ce que tu préfères, un monde sans Eric et Ramzy ou sans BHL par exemple? Qu'est-ce que tu préfères?
On est obligé de choisir ? Attends, t'es vraiment en train de... Ah putain, tu réfléchis vraiment à ça ? T'as un monde sans BHL, quoi. Bah oui. Mais bon. Ah ! Mais elle est partie sans nous. Non, c'est parce que je l'avais frôlé. J'ai mis un doigt de pied dessus. Ah, j'ai pas le temps. Oh là là. Limite, hein. Oui, oui, j'ai rien dit. Mais j'y croyais pas. Je préfère BHL enfermé avec Eric et Ramzy pour qu'il devienne fou. Peut-être pas, hein. Peut-être que BHL adore Eric et Ramzy, on ne sait pas. Ah merde. J'ai essayé d'avoir le pot deux fois. Ouais, moi j'ai essayé de m'éclater la tête contre le mur et a priori j'ai réussi. Salut. Bah, le jeu est gentil, me laisse la lampe. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu regardes plus. Oh, je regarde mon chat. Mais non, mais du coup, je suis morte. On verra. Bah non, t'es pas morte, regarde, t'es encore là. J'ai perdu ma lampe. On verra quand tu streameras, toi. Bon, là, j'avoue, par contre, t'es morte, mais je vois pas le rapport avec moi, par contre. Hein. Si, c'est ça, je tombe. Vide, je tombe. Oui, des fois je chante du Patrick Boel, oui. Hop là, allez bisous. Lui aussi je l'ai vu en concert, tu vois. Ah ouais. En micro-concert en décembre dernier. Oh, est-ce que t'as crié Patrick comme ça? Non. Ouais. Je suis un poil déçu. Ah, je suis pas du genre à crier, tu sais. Bah non, je savais pas. Maintenant, je sais. Hop. Et bah tu sais quoi, ça m'a tellement émoustillé de parler de Patrick Bruel que je vais faire une pause, juste 2 minutes. Je vais faire pipi. Je crois qu'il y a le thé qui fait effet, là. D'accord. Donc, j'arrive. À tout de suite. Tout de suite. Vas-y, anime, hein, pendant ce temps-là. Hein. Non. Ouais, vas-y, hein. C'est à toi, maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a crié. Tout va bien. À combien de subs en plus alors?
Au moins tout ça. Ah ouais ? Oh, trop bien, trop bien. Merci beaucoup à toi. C'est mieux quand il n'y a pas de Sonium niveau animation. C'est la folie totale. Mais je sais, hein, je sais que vous me détestez, mais je comprends pas pourquoi vous revenez en fait. C'est, j'essaie de faire de la merde. Et malgré tout, vous revenez. Ah ! Regarde, c'est notre truc préféré. Patrick Bruel égale affaire de massage. Chat de pénible. Bah ouais, mais... En même temps, tout le monde dit qu'on a le chat qu'on mérite, quoi. Salut, hein. Et comment on peut avoir le temps de récupérer le truc du chat et... Putain, faut être... Putain, faut être OP quoi, attends. Il faut prendre l'étoile. Mais non. Mais si, pour que le chronomètre s'arrête. Ah mais si, c'est vrai. Ah mais c'est pas... Heureusement que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la boîte maintenant? Ah, il est là. Ah, bon. Je suis pas mort. Non mais on a entendu le petit... J'ai serré les dents mais je ne suis pas morte. T'as vu ce travail d'équipe? C'est pas mal franchement. Bon, on est prêt pour le speedrun. Ah, jette-moi. Mais non, pas... Mais... Ah désolé, hein, je t'ai pas attendu, mais là fallait que fallait que je grimpe. Mais... Ah oui, c'est vrai, c'est au milieu là. Mais là j'ai plus le chat, du coup je peux plus rien faire en fait. Ça va être compliqué effectivement, peut-être. Mais garde, je peux pas passer. Ah si. Bah, je suis rapide comme ça. C'est vrai, ouais, bah oui. Hop, regarde, mais non, mais c'est quasiment fini. Putain, en fait, ouais, c'est, si tu perds le chat, c'est mort, quoi, ce truc-là, quoi, c'est... Cool. Hop, on a réussi. Tu as réussi, mais merci. Ah bah merde, Benoît Sokal a passé l'arme à gauche, je sais pas qui c'est. C'est le créateur de Siberia. Ah j'ai vu ça ouais. J'ai vu ça. Ah non, faut faire avec les filles. Vite, ton costume de chat. Vite. Non mais vas-y, monte hein. Ah non, parce que... Bah non, fallait que j'attende que tu prennes le truc, sinon... sinon tu l'avais pas, quoi. Reste en bas, toi. Je suis en optimiste, quoi. Tu es arrivé en haut en première et t'as réussi à prendre l'étoile quoi. Eh ouais.
J'aimais bien sa BD historique sanguine. J'ai pas les refs. Hein. Pas sauter dessous. Mais c'est parce qu'en fait tu le déclenches et du coup ça monte, je crois. Ouais. Ouais, c'est dès que je suis dessus, ouais. Oh, regardez ça, comment c'est beau. Ce monde. C'est beau et tant qu'on joue pas, ça rame pas. C'est quand même pas mal. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 4K sur la Switch? Non. Pas sûr. Ouais, non, je suis pas... Non. Ah merde, attends, j'ai pris une capture. Ok, non, c'est le 7 qu'il faut faire, d'accord. T'as le droit de pas connaître. C'est pas tout jeune non plus. Ah oui, oh là-bas. Oh bah là, oui. Oh. Voilà. Salut. Oh, il fallait pas sauter, mais t'aurais pu me le dire, quoi. Bah non, je te remets dans les conditions normales du jeu, quoi. Ah oui, mais toi, t'as le chat. Ouais, mais ça change rien, le chat, là. Bah si, il monte sur le côté, moi, je peux pas. Bah voilà, bah tu regardes, j'aurais plus le chat, et tu vas voir. Tiens voir. Regarde la pulcha. Hein. Bon, j'ai le chat ou j'ai pas le chat là? Non, t'as du skill, c'est pas pareil. Wow. Mais je devrais t'attendre en fait, je suis con là, je t'attends pas. J'étais pas encore morte, mais je sais pas comment en fait. Faut vraiment que je revienne. Bah oui, essaye au moins quand même. Non mais avec le truc qui bouge, le temps que je revienne, il sera parti en fait. Mais non. J'ai cru qu'on était très plus proche que ça de la plateforme. Tiens, vas-y, prends le tanuki. Je dis pas que ça va t'aider, hein, mais... Ah, ça y est. Tu commences à être désagréable. Mais pas du tout. J'ai dit que j'avais pas dit ça. Mais qui est qui, par en contre, fait ouais, par contre, là, on est méconnaissable. Hein. Je croyais que j'avais pris le drapeau, et en fait, c'était toi. Désolé. En fait, faut pas sauter, hein. Faut juste marcher, tu vois, en rythme. Tac-a-dac-a-dac. Mais pourquoi je me suis envolé là? Il s'est passé un truc. Hein. C'est parce que je t'ai tapé dedans, c'est pour ça que je t'ai dit désolé en fait, c'est parce que je t'ai tapé dedans par en dessous. Ah oui, avec le costume Tanuki. Bah oui. Bon. Tiens, vas-y. Bon, allez, on saute sur le truc en même temps. 1, 2, 3. Après, tu avances en rythme. Hop. C'est truqué. Merde. Enfin, moi aussi, tu vois. La 4K, c'est juste pour vendre de nouvelles télé aux personnes qui en ont déjà. En vrai, j'avoue être pour un gel de l'évolution informatique grand public. Quand on voit les jeux sortis en fin de gen sur certaines consoles, le monde d'aujourd'hui est trop morcelé pour permettre aux devs de maîtriser pleinement la capacité des machines disponibles. Cette fuite en avant de la puissance, tant smartphone qu'informatique, est stupide. Trouve notre monde en proie au réchauffement climatique. Sérieusement, ce que l'on a aujourd'hui est plus que largement suffisant, pas besoin de consommer encore et encore. Et encore, côté hardware. Ouais, mais... Enfin...
T'as de la puissance disponible pour finalement une consommation qui est moindre. Donc autant l'exploiter quoi. Et oui, s'il y a des fois on ne voit pas trop la différence, on est d'accord. Il y a sur certains trucs, sur certains contenus, oui, effectivement. Merde. Sur ça. Désolé. Sur certains contenus, effectivement, bah, ça se voit quoi. Enfin, donc. C'est. Il y a de l'évolution, c'est normal quoi. Enfin. Sinon, on serait resté en 480p quoi. Enfin, donc. Tu veux pas le Tanuki ? Ouais, j'ai cru que t'allais le prendre. Non, regarde, je l'ai en réserve. Hop. Après, est-ce que l'œil humain est vraiment capable de faire la différence entre de la 4K ou de la 8K ou je sais pas quoi de plus ? Bah, y a un moment où oui, on va être un peu limité, hein, c'est clair, mais. Sur les contenus 4K, moi, enfin, pas trop sur les jeux, en même temps, bien que j'ai pas trop joué en 4K d'ailleurs. Mais sur Netflix par exemple. Alors en fait sur Netflix. Merde. Putain. Tant pis. C'est moi, chance. Et sur Netflix en fait la différence entre les contenus 4K et les contenus non 4K c'est la compression en fait. La compression est différente. C'est beaucoup moins compressé en 4K. Et en fait donc c'est pas en termes de résolution vraiment qu'il y a la différence est là. Mais c'est en termes de compression. Ils ont vachement amélioré le truc. Et donc effectivement les vidéos sont mieux en 4K, mais c'est pas trop la résolution qui joue en fait, c'est plus la méthode de compression qu'ils ont utilisée quoi. Donc c'est moins dégueulasse en 4K quoi. Après moi j'ai pas d'écran 4K de toute façon. Moi j'ai changé de télé quand je suis arrivé ici. Et donc ma télé ouais, je l'ai pris en 4K et à la 6 ans quoi. Hop. Le souci c'est pas geler les technos, c'est un peu le cas déjà. Le consumérisme à cap capitaliste, mais qui pousse à ça, effectivement. Par exemple, changer de téléphone tous les ans parce que Samsung a décidé de sortir une nouvelle version vachement mieux. Quel est l'intérêt quoi? J'avoue que là, je vois pas trop quoi. Alors peut-être que j'ai un usage de mon téléphone portable qui n'est pas l'usage de certaines personnes quoi, mais... Perso, un téléphone tous les 5 ans, c'est parfait. Hein. Attends-moi. Merci. Oui, relax, tout va bien. J'ai pas envie de le refaire. Ah bon? Attends, maintenant on va le faire avec qui? Carmony et Peach? Non. Ah. Avec Mario et Daisy? Non. Bah ben, je sais pas. Tu vas voir, ça va te plaire. Hein. Pas faire ça avec Plessy. Ah oui, dans la lave, c'est qu'il crève direct, le pauvre. Alors on change trop souvent et trop rapidement de matos, hein, ce qui est un peu incompréhensible alors qu'on devrait consommer moins. Bah oui, non mais ça s'appelle le capitalisme. Mais bon, comme les gens sont incapables de se contrôler que le marché leur propose un nouveau téléphone, le gel est une solution extrémiste. Ouais mais les gens sont incapables de se contrôler, enfin c'est pas... Voilà, c'est la pub fait très très bien son effet en fait. C'est pas un problème de personnes qui arrivent pas à se contrôler quoi, Les gens qui vendent des trucs savent très bien comment faire pour... Regarde, faut choisir Toad, regarde, tu vas voir, ça va être tellement bien là. Voilà, c'est les marketeurs sont très très doués pour nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin quoi. Donc et ils utilisent des schémas mentaux qui sont parfaitement connus pour faire acheter quoi. C'est pas vraiment la faute des gens quoi. Je pense pas. Ah non, les biais cognitifs, c'est... Ils ont été montrés... Ah, mais c'est pas possible. Le matos, c'est souvent fait pour avoir une durée de vie limite. Bah oui, ça... C'est le smartphone qui, après une certaine mise à jour, paf, il se met à ramer. Mais si tu achètes la nouvelle version, par contre, il ne ramera pas. Installez Lineage hein, sur vos téléphones, hein, c'est vachement bien.
Enfin, quand vous pouvez le faire, effectivement, parce que tous les téléphones ne sont pas compatibles, mais... Déjà, ça vous permet d'avoir des versions d'Android récentes sur un vieux téléphone. Et en plus, ça marche vachement bien, parce qu'il y a vachement moins de merde dessus. C'est quand même fou. Alors, les terrains utilisés dans les téléphones portables éco sont difficilement impossibles à recycler une fois qu'il n'y aura plus de ressources. Ah oui, non, mais ça... Ça, on est d'accord qu'on épuise les ressources au fur et à mesure, mais bon, voilà quoi. Ça va être dur à, ça va être dur à changer. Merde. Merde. Bon, je suis passé en dessous. Arte a un très bon docu, la fabrique du consentement qui explique comment on incite les gens à acheter des trucs. Bah oui. Je l'ai jamais vu le docu, mais effectivement, oui, non, il y a des méthodes, quoi. C'est aussi un livre de Chomsky. Je suis tout à fait d'accord pour la publicité and co. C'est un vrai problème de société, bah oui. Mais j'en ai ras les couettes de notre monde néolibéraliste. Bah ouais. Mais c'est, toi qui a pas, c'est pas toi qui a le pognon, donc c'est pas toi qui décide. L'image n'est pas compatible avec mon téléphone. Bah, en fait, moi, c'est maintenant que j'achète un téléphone, en fait. C'est le truc que je fais, c'est que je vais regarder la liste des téléphones supportés de manière officielle par Lineage. Et vas-y, prends le... Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah, c'est bon. Je regarde la liste des téléphones supportés et je choisis là-dedans quoi. Donc j'ai un Xiaomi Mi 8 pour ça en fait parce que il est supporté officiellement. Ça marche bien. Alors par contre c'est une catastrophe niveau niveau fabrication, hein, je le sais. Hein. Oh non ! Oh ! Oh ce sauvetage ! Tu as vu ? Magnifique. Moi je viens de faire du toboggan sur le truc. Nice. Il y a aussi le programme Android One qui est plus grand public, garanti de 3 ans de mise à jour. L'argent est une construction sociale volatile qui repose sur du vent en vrai. Non. Ah merde, attends, faut que j'allume ma lumière parce que j'ai, mon fond est en train de disparaître. Si j'avais de la thune en ce moment, j'aurais pris un Fairphone. Ça y est, Fairphone sont... ils ont été rentables, ça y est. Fairphone sont enfin rentables. Au bout de tant d'années, mais ils le sont. Donc c'est plutôt cool pour eux. Bref, on a une vie limitée. On la gâche, ainsi que celle des autres, pour rien. Et bah peut-être, et c'est pour ça que certains se font vasectomiser pour éviter que d'autres personnes derrière nous subissent ça. Alors, les boss. Globulos. Ah, on l'avait bien réussi lui. Tiens, vas-y. Ah. Tu prends des risques. J'aime bien. Elle a sauté dans le vide. Oh là là. Elle s'est suicidée. Elle a vu le boss, elle a eu peur, elle s'est suicidée.
J'ai quitté le navire. Non mais non. Démerde-toi. Vas-y non mais démerde-toi, je veux plus. Moi je veux plus. Mais non, mais il m'écrasait. C'est bon, regarde. Vas-y, récupère la couronne, hein. Vas-y, vas-y, j'ai tout fait, mais vas-y, récupère la couronne. Je me casse. Vas-y, tu m'as vu. Mais évidemment que je t'ai vu. Ta-la-la-la-la. Waouh. Qu'est-ce qu'on est doué. Il y en a un plus que l'autre, mais oui. Non, mais la dernière fois, c'est toi qui avais tout fait. Donc, toi. Chacun, chacun son tour. Bon, moi, je m'étais pas suicidé, mais... Non, tu m'avais suicidé. C'est... Oh, c'était dans un autre truc, c'était un autre contexte. Elle a tout pris. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi elle a tout pris? Oh, elle a failli jeter. Moi, je vous jure. C'est pour le beau jeu, c'est pour YouTube. Vous avez vu YouTube ce qu'il a fait pour vous quand même? Hein? Quand je alors je veux, j'exige que dès qu'elle stream, je veux 12 000 subs sur sa chaîne. Oui bah attends que je sois déjà affilié. Hein. Non mais t'es affilié la troisième stream quoi, tout le monde. Tout le monde te. Tout le monde te fera de la pub quoi, tu vois donc. Qui ça tout le monde? Et tous les gens chez qui t'es VIP, les gens chez qui t'es modo. Mais c'est en plus, c'est un vrai truc, hein. Enfin, c'est super con. Mais tu peux être affilié en fait tellement vite. Suffit juste que tes premiers streams, t'es du monde. Et c'est ok quoi. Si tes premiers streams, t'as pas trop de monde, après c'est baisé parce que faut une moyenne de 5, de 5 viewers. Et donc après, bah faut vraiment que t'arrives. Oui, c'est 3, non, ouais, désolé, oui, non, c'est 3. Et faut juste les 50 viewers, quoi. C'est ça en fait. Mais derrière, ouais, t'es. T'as combien de personnes qui te follow sur Twitter 1200. Ouais, tu vois. déjà ça. C'est des gens, c'est des développeurs et. Des boîtes de com. Donc. Et alors des gens qui viennent. Attends, c'est rien. Regarde Edouardine, ses premiers streams. Et tous ses collègues étaient là. Elle a été raid par Titavion au premier stream. Quoi. C'est vrai, ça aide. J'étais là. Ça aide un peu. Tu crois que Titavion a raid parce que t'étais là? Non. Évidemment que non. J'ai mal compris. Donc. J'ai mal compris. J'étais là pour voir ça. Ah. Mais ouais en fait si les vraiment les tout premiers streams les 3-4 premiers streams fonctionnent en fait bah tu peux avoir le affiliate super vite quoi. Je sais plus combien de temps ça m'a pris mais ça m'a pris quand même un petit moment. Ah les salauds. Attends regarde. Ils en ont planqué un là. Ah vas-y viens. Quoi non. Je sais pas, on va la regarder. Et vas-y, hop comme ça. Comme ça t'es pas bébé. Non, y'a rien à côté. Bah c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Bah d'habitude y'a deux power-up quand on est à deux. Bah ouais mais tu vois, c'est pour nous dire que la vie est injuste là. Qu'est-ce que t'as fait? J'aime bien faire ça, sauter avant le truc. C'est rigolo je trouve. Mais j'ai failli mourir quand même. Mais pas du tout. Non mais là la bulle était juste au-dessus du bord. Mais pas du tout. Elle est toute seule madame. Mais elle monte.
On peut pas la taper deux fois en fait. Ouais, c'est chiant ça. Bientôt les 700 chez moi. Les 700 follow sur ta chaîne ou... J'arrive pas. Il monte. Au moins il me file pas de chat en fait, donc c'est... Ça limite. Ah oh, j'étais trop loin. Non. Il est tellement choupi ce boss, moi je l'aime. Oui, il est cute. Non ! Putain, elle est rentrée à ce moment là quoi, c'est dégueulasse. Mais être riche. T'as pris essuyer ton radar ? Être riche ? Non, il y en a un qui a été proposé. Oui, parce que j'ai perdu le mien. Ouais. Du. Ça veut dire qu'il est pas faisable sans. Ah bah non. On pourrait monter, sauter d'assiette en assiette quoi. C'est là j'ai essayé, c'est compliqué. Hein. Tiens, regarde, hop, juste sur la tête. Qu'est-ce que tu es vénal. Je veux mes pièces. Bah non mais ça fait des vies quoi. Ah c'est vrai. Putain, on est passé sous les 1000, dis donc. Bah oui. Mais ouais ça, moi ça me fait marrer parce que quand je vois que mon compte Twitter ça fait 11 ans que je l'ai. Et je dois être à 170. Et j'ai quasiment pareil sur Attends je suis à combien? 167 voilà. Sur Twitch, alors que ça fait un an, quoi. Voilà. J'ai peut-être pas trop assuré sur Twitter. Je suis tellement nul. Je pourrais avoir des gens. Je suis tellement nul niveau réseaux sociaux, c'est une catastrophe, moi. Ah, oh, oui. Oh, la déception. La déception en ta voix. Ah. J'avais pas fait attention que j'étais toute petite. Allez, je me jette. J'ai encore envie de dormir. Bah, dors. Écoute. Qu'est-ce qui t'empêche? Mais. Mais quoi? Je te sauve. T'allais être dans le feu là. Mm-hmm. Merde. Ouais, tu me parles meilleur hein. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es tombé? Non, c'est pas... Non, arrête de mentir comme ça hein. Tu t'es fronté, va. Oh les deux nuls. Oh les deux gros nuls quoi, vraiment hein. Oui, mais en même temps c'est Luigi et Toad quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut avec son là? Ah mais j'ai refait sauter dans le vide quoi. C'est bon, gars, je vais l'avoir. Yes, je l'ai eu. Tu l'as eu sans être chat? Ouais. Ouais, c'est possible. Il faut que les plateformes soient bien placées. C'est ça. Mais. Pourquoi tu fais ça? J'avais froid. Oui, je tourne. J'avais froid et donc je voulais me réchauffer. Attends. Tac, tac, tac. Non, ça marche pas. Aïe. Bon bah voilà. Tu pouvais revenir vite. Me revoilà. Oh, j'ai plus de chat. J'aime tellement ce boss quoi. Attends, si je fais ça, hop, que ça marche. Non, ça marche pas. Bien, ouais-je. Merde.
je suis l'exemple. Pam pam. Chante avec moi. Pam. Oh. C'est ton chat qu'on a entendu ? Non, c'était moi. Oh, putain, tu fais super bien le chat. Hein. Et bah ça c'est bon. Donc nous allons casser la gueule de Bowser. Encore une fois. Allons-y. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh là, tour infernal. Oui. Oh, c'est bon. Regarde là, il y a le... Attends, je crois qu'il y a un truc qui est caché. Ouais. Ça fait pouette pouette quand on saute dans la voiture. C'est trop rigolo. Et bisous. Hein. Merde. Tu peux pas te débarrasser de moi si facilement. Hein. Bah, j'ai vu ça. Pas faute d'essayer, mais. J'ai essayé, mais pas réussi. Ah, je suis plus le chat. Merci. Ouais, je t'en prie. J'ai absolument pas vu ce que t'avais fait, mais... Ah, tu m'as sauté dessous. Et donc j'ai été éjecté. Ah, c'est de ma faute. Un chouga. Ok. Tiens. Mais... Ah, c'est pour que tu tabasses celui d'en dessous. Mais il faut. Mais non, mais... Oh, 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 le rattrapage. Évidemment, c'était fait exprès. Le rattrapement, ah bah oui, on a pas entendu le oh bah 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 comme ça. Ah non, non. Hein. Il faut les tuer ou... Ouais, faut les... Ouais, non, faut les virer. Okay. Ah, c'est peut-être juste pour l'étoile. Ah non, en fait, non, voilà, y avait pas besoin. Finalement, y avait pas besoin. Mais on l'a fait, on a pu montrer notre skill. On notera que je ne suis pas morte. Effectivement. Ah mais incroyable. Non, normal. Et là, il va nous courir après. Ah. C'est un scroller ? Ouais. On adore les scrollers. Ah. Où suis-je ? Où vais-je ? Oh là là, mais Luigi arrête de sauter comme ça quoi. Allez. Comment on sait où il va apparaître ? Bah on voit les trucs qui tombent. J'ai rien vu. On voit un petit peu les... Ah merde ! Ah merde ! Dommage ! Ah coucou BMOS ! Comment ça va BMOS ? Je crois qu'il nous a grillé. Coucou BMOS. Salut BMOS. Comment on est parti comme des voleurs ? T'es pas parti comme des voleurs, on a rien volé. Enfin si, j'ai volé la première place à chaque fois, mais c'est la seule chose que j'ai volée. J'ai eu un moment de solitude intense. Ah, est-ce que tout le monde s'est barré au même moment? Merde, désolé. Ah merde! Ah putain, mais désolé quoi. Alors en même temps, tu nous aurais pris en vocal, t'aurais su qu'on se barre. La vieille excuse. Non mais prends ton... Voilà, viens prendre.
Ah. vas-y, vas-y, t'as vu le skill là, t'as vu? Comment j'ai... Ouais. Vu le karma là, dis donc. Ah bah on voit, ah non, on envoie deux L. Super. Elle se barre. Attends, on n'a pas le temps. Je suis mort de rire rien qu'en t'expliquant. Putain, merde, désolé. Ouais, non, mais désolé quoi. Bah, nous on est parti parce que voilà, on avait prévu. On avait prévu du 3D World, mais je pensais pas que tout le monde se barrait en même temps quoi. Vocal trop dangereux. Honnêtement, on a été calme sur Mario Kart, je trouve, non? Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Genius. Ça a été, ça a été. J'ai même dit merci pour les carapaces rouges à Blacky. Voilà, c'était très bon enfant quoi. On s'est balancé des gros trucs à la gueule et on se disait merci. C'est plutôt sympa. Et oui, après, le vocal sur MK, ça dépend avec qui tu tombes. Regarde, mais là, tu me dis pas que tu l'as pas vu, là. Non, mais je fais pas attention, en fait. Je vais pas te dire je l'ai pas vu, j'ai juste pas fait attention. En fait, je vais survivre pour que le jeu me ramène. Je vais y aller en chat, en fait. Je vais tout monter en chat. Merde. Bon, on peut pas, mais... Regarde, hiver. Ah oui, bien, ok. J'ai vu. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à remonter, par contre. Ouais. A priori. Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça qu'on est mort tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Bah tiens, vas-y. Tiens, débrouille-toi. Bah oui, attends. Tu veux pas de moi, tu veux pas de moi, j'ai compris. Oh. Comment t'y as cassé sa petite gueule? Je me souvenais pas qu'on voyait Bowser en chat. Mais attends, Bowser en chat et avec la cerise. Ah. Il est un peu overkill. Vous savez comment il est pas content? Oh, j'ai réussi à survivre. Bravo. Monte. Monte. Ah, méthode. J'ai tenté un truc, ça a pas marché. Allez, je t'attends, vite. Hop là. Ok, l'équipe. Le speedrun est proche. Ah bah oui, là. On va plus vite que le défilement, quoi, donc... Garde, il monte ses fesses. Allez, pan. Regarde le replay, regarde bien ma tête, tu vas sentir toute ma détresse. Ah merde, je suis vraiment désolé du coup, Behemoth. J'ai jamais vu autant de gens synchro. Ouais, nous on était en vocal avec Blacky et Gina. Mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on arrivait à choisir les mêmes courses à chaque fois. Hein. Ok, encore, je me dis que c'est bizarre, Saint Genius est bien calme par rapport à d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire ça, Behemoth? Qu'est-ce que tu entends par là? On aimerait des explications, là. On n'est pas content. D'habitude, entre chaque course, elle me parle dans le chat. Ah, tu vois.
Elle te parle ou elle te taunte entre chaque course d'habitude? C'est pas pareil. Mais c'était cool, BMOS, hein. C'était cool. Ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai gagné, donc j'ai bien aimé. Je me suis moins énervé que le dimanche. Étonnamment. Allez hop, on l'a déjà vu, hein. Ah bah non. Ah merde. Bah écoute, je t'invite à refaire le jeu de ton côté. Oh là là, les premières sur le dernier niveau. Et paf. Oh là là, comment on m'a bien eu. De toute façon, il faut qu'on le repasse avec avec les filles. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, j'avais complètement oublié. Ah bah oui, j'avais oublié les esgons. C'est ce qui nous manque pour avoir la petite patoune. Moi, je veux la petite patoune de chat. Et ben, on y retourne. Oh putain, j'ai encore confondu A et B, quoi. C'est chiant. Assez chiant. Allez, on y va. Suis-moi. Je te vois sauter. Hein. Mais je peux rien faire d'autre en fait. Donc, De toute façon, tu gagnes tout le temps. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Regardez, le dimanche, je perds. C'est vrai que c'est plus sympa que le tournoi de Ponce le dimanche. Et tout le temps étamer la gueule. Enfin, du moins pour moi. Mais moi c'est pareil, hein, le tournoi le dimanche, c'est compliqué. Hein. J'ai envie d'acheter un nouveau vélo, retenez-moi. Attends. Je vais essayer de te retenir d'acheter un vélo. Cheville. Voilà, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché, Melzekiel? Juste en disant un mot, est-ce que ça y est, t'as plus envie d'acheter un vélo? On a déjà 45 vélos en plus. Faut pas en racheter. Merde, ça a pas marché. Ouais, tout le monde est en chat. Même les Goombas, ils sont en chat. Tiens. Pourquoi tu t'odes? Eh hey. Quoi? Vilain. Pas du tout. T'en as que deux. T'as que deux vélos, Melzekiel. J'y crois pas. Faut que t'achètes l'appartement d'abord, ceci dit. Oui. Oui, ça peut être une priorité. À moins que tu arrives à vivre dans ton vélo. Oh, c'est long. Merde, que j'ai fait? Oui, puis moi je te suis. Dommage. C'est bon. Tu peux revenir. Je t'ai vu faire, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis je fais pareil. Bah je fais des bêtises. Ah
J'ai deux vélos. Le cargo est à mon ex. Ma grande en a deux. Ma moyenne en a un. Et dernière, un. Donc un seul à moi. Deux. Attends, on est perdu. On est perdu. Après, si tu reveux un vélo en plus, moi j'en ai un à donner. J'ai le mien à donner. J'en ai deux à donner. Attention, il arrive par la droite. Il y en a un qui remonte par la droite, faut faire gaffe. Ah oui, je peux pas l'éviter en fait. Si, moi j'ai réussi tout à l'heure en sautant plus haut et puis... Y a moyen, mais j'ai un peu galéré hein, d'ailleurs. Il monte ses fesses. C'est trop rigolo. Ah merde, ça, c'est, par contre c'est pas rigolo ça. Quoi, mais je suis coincé dans le truc. C'est de la... Putain. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y a une profondeur dans le... Tu sais, dans le trou qui creuse dans le... Dans le mur. Il y a une profondeur en fait. Et donc j'étais bloqué dans la profondeur du trou. Ah. Et donc j'arrivais plus à aller à droite. Mais parce que j'étais kéblo. Ah, c'était sublime saut. Hein. Fallait attendre mais un non, peu. Mais non, ça m'a disparu. Non. Le jeu qui triche. Vite, reviens. Il y a une clochette. Bah, je peux rien faire en fait. Vite, il y a une clochette. Attends, le jeu m'a fait réapparaître sous la patte de Bowser. Le jeu est injuste. Le jeu triche. Je pensais être... Oh, le salaud! Oh, ça, j'ai pas vu venir. C'est impossible là. Mais non, pourquoi? Mais. Attends, je nous emmène en haut. Ne te l'inquiète pas. On peut y être carrément avant en fait. Nice. Tu veux voir la vidéo? Non, 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 ça va aller, t'inquiète. Oh bah regarde, c'est bien, regarde. Hop. Elle est chouette, hein. On s'en fout. Pourquoi je peux pas passer là? Alors, vous ne le saviez pas, mais Bowser en fait est rempli de dynamite. De feu d'artifice. C'est ça, de feu d'artifice, ouais. Donc, Bowser, quand il explose, c'est en feu d'artifice. Oui, 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 super, super. Youhou ! T'as vu, je savais comment ça allait se terminer. Mais il n'y avait pas de dynamite dans le beat de dans Bowser's Inside Story pourtant. Ouais, mais c'est, il a dû en manger entre temps. Tout, 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 tout. Alors. Petite patoune ou pas petite patoune? Normalement, petite patoune. Normalement, oui. Yes ouais. Petite patoune. Bon bah, on commence le monde étoile. Allez.
Hop, et ben, il est où? Il est là. Je comprends rien à ce que vous farmez. Mais tu me demandes toutes les semaines. Toutes les semaines, Melzekiel, tu me demandes. Je fais le jeu. Enfin, du coup, on fait le jeu à 500% maintenant. Que j'ai une camarade de jeu. Et en fait, il faut faire le jeu avec... Finir tous les niveaux avec tous les persos pour avoir vraiment la vraie fin ultime du jeu. Ouais, sa mère, comment ça assure, quoi. Voilà. Et donc, on refait tous les niveaux avec tous les persos. Enfin, on essaye. Ah, mais t'étais mort. Ah bah, ça faisait un moment. Ça faisait un moment que j'étais mort, moi. Okay. Ah bah comme moi. Non mais je vais rien dire, comme moi il y a deux secondes, donc annule le jeu. No shame. Vas-y, va choper ta patoune. Yes. C'est quoi les patounes? Ah, mais c'est quand, juste quand t'as fini les patounes, c'est quand t'as juste fini tout un monde. Il y a une patte de chat qui s'affiche en fait sur le truc pour voilà, juste te dire que effectivement tu as bien terminé tout avec tous les persos. Donc ça rajoute rien en fait les patounes, hein. C'est juste une indication visuelle pour te dire que ça y est, tout est bien fini. Tout comme le dommage en bas de l'écran est une indication visuelle qu'on est mort comme des sacs. Ah bah, saute dessus direct en fait. Ah voilà, saute dans le vide, vas-y hein. Je suis en forme là d'un coup, tout va bien. Oh là là, voilà, tu chopes le power-up à ce moment-là, donc... Non, mais j'ai pas pris de power-up, j'ai pris un power-down. C'est encore pire. Ah oui. Ouais, je suis mort. Ah! Je déteste quand tu fais ça. Quand je fais quoi? Ah oui, non, pas quand tu fais toi. Non, mais je lisais un message, désolé. Désolé, je lisais un... Ah, regardez! C'est notre ami. C'est notre ami, le dinosaure. Va-t-on y arriver? C'est toujours tout droit? Quand je me moque? Quand je me moque de qui? Allez, on peut le faire. J'y crois. Ah, direct le niveau est plus élevé hein, d'un coup. Bah, je trouvais que c'était plus abordable le monde de Bowser que le monde d'avant. Ah, on a fait non, la même, mais... on a fait la même. De moi? Mais je me moque pas de toi. En plus, je me suis même pas moqué de toi en plus. Là, voilà. Ah, ouais, quand j'explique aux gens, ils se disent... Putain, je vais y arriver. Hein. Promis, je vais y arriver. Si, avec le dommage. Ah bah, le dommage, là je me moquais de Genius, pas de toi. Enfin, je me moquais de nous en fait, en plus d'ailleurs. C'était même pas que de Genius, c'est parce que moi j'étais mort avant. Et donc oui, j'ai trouvé le monde de Bowser plus facile que le monde de la fois dernière. Ah ouais. Pas facile, tout est relatif, hein, mais... J'y ai cru. Moi pas du tout. Moi je t'avoue pas du tout. Mais c'est dur à deux, elle est petite la plateforme. Mais même tout seul hein, j'avais galéré là. Ah, histoire de faire ramer un peu la console. Petit strike. Ouh,
Ouh, t'as failli. T'as failli sauter à côté, toi. Hein. Pas du tout. Je t'ai vu. Tu as dû entendre le stick. Bah, pas trop, mais j'ai bien vu par contre. Alors. Attends, j'y vais. Non, j'y vais pas. Merde. Mais non! Mais pourquoi ça accroche pas? Question, y a-t-il un lien entre ton pseudo Silent Genius et le duo Jay et Silent Bob? Pas du tout. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ah, tu connais pas? Bah, de nom, mais. T'as quand même vu les films de Kevin Smith? Hein? Non. Non? Bah, du coup, non. Ah! Jay et Silent Bob, en fait, c'est des personnages récurrents dans les films de Kevin Smith. Et qui ont d'ailleurs. Voilà. Oh putain, t'as vu, je suis revenu pilo au bon moment, putain. Et voilà, c'est tellement des personnages importants dans l'univers de Kevin Smith que finalement, ouais, ils ont eu leur propre film en fait, Jay et Silent Bob. D'accord. Et Silent Bob, c'est d'ailleurs, c'est Kevin Smith d'ailleurs. Il est interprété par Kevin Smith lui-même. Ok. Ah si, enfin... Si t'as l'occasion, hein, fais-toi la filmographie de Kevin Smith, enfin c'est vraiment des bons trucs, moi j'aime beaucoup. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup les films de Kevin Smith. Mais. Je prends note. Mis à part, si t'aimes pas les ambiances un peu cheloues et qui font. Enfin, ce film m'a vraiment rendu mal à l'aise. Tusk, alors qui est pas du tout dans le genre qu'il a l'habitude de faire, il est plutôt dans le. Il est plutôt dans l'humour décalé Kevin Smith, tu vois. Mais Tusk, c'est pas du tout un film d'humour décalé, tu vois. Et putain, le film te met mal à l'aise, mais un truc mais monstrueux. Mais enfin, c'est fait exprès, hein. Mais j'ai eu du mal à le regarder, moi. D'accord. Après, ouais, puis après, si je pitch un tout petit peu du film, ça le spoil, donc... Il y a un jeu Jay et Silent Bob. Ah, j'essaie de revenir. Non, dommage. J'ai essayé de revenir, je n'ai pas réussi. Allez, vas-y, tu m'emmènes. Emmène. Bah non. Tu veux pas m'emmener au bout. Vas-y, tu m'emmènes au bout du jeu. Du jeu? Non, ouais. Allez, tu fais le dernier niveau comme ça. Oh là là, il est en speedrun. Oh là, ça bah t'as vu. Non mais ça marche mieux quand tu joues comme ça, toi. Regardez ça. Regardez ça, la dextérité. Vas-y, accroche-toi. J'ai essayé de sauter au dernier moment, j'ai pas essayé. J'y ai cru, mais... Moi j'avais le lien avec le joueur de jeu de baston et animateur de Game One Genius. Un Silent Genius égale un meilleur Genius qui a pas de propos de misogyne. Ah. As-tu des liens de parenté avec l'animateur misogyne de Game One? Non, pas du tout, non. Je connais personne dans ce milieu en fait. Même si ça fait longtemps que j'y suis. Mais... Désolé, hein. C'était pas voulu. Mais non, c'est pas grave. Hop, la boîte. Allez, cette fois-ci on y arrive du premier coup. J'y crois. Putain, on a esquivé le truc, quoi. Sur sa rame. Il est sur Steam d'ailleurs, Jay Silent Bob Mall Brawl. Ah bah donc c'est par rapport à... Merde, c'est quoi le nom du film? Mallrats, sûrement, j'imagine.
Je sais plus si c'est le deuxième film de Kevin Smith d'ailleurs ou le troisième, Mallrats. Ah, puis il y a notre actrice, une des actrices qu'on aime beaucoup, toi et moi, Number 80, je sais, dans l'un des films. Il y a Rosario Dawson. Voilà, au bout de la 12e fois, j'ai réussi à m'accrocher. Yeah! Tous les deux. Quelle équipe. J'ai tenté un rebond vers l'autre case, mais. Non, pas possible. Ouais, bon, je nous ai sauvés avec le chat. Merci, le chat. Vas-y! T'as cru que j'allais pas sauter, hein? Ouais, ah, ouais, ouais. Non, mais clairement, j'ai cru, ouais. Ouais, moi aussi. Ok. Je me souvenais pas qu'il y avait un truc. Ouais, c'est un des premiers. Je sais plus. Attends, le tout premier de Kevin Smith. Merde, comment ça s'appelle? Putain, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle le film. Tant pis. Bah, vous me direz dans le chat. C'est bon. Oh, ah non, mais ça va être l'enfer à deux. Ça va être l'enfer. Hein. Clerks, c'est exactement. C'est Clerks. Donc Rosario Dawson est dans Clerks 2. Et j'ai été ravi de la trouver en Jedi dans... dans machin là. Dans le Mandalorian. Il y a Rosario qui est dedans. Sors pas de ta bulle hein, vas-y hein. Écoute, j'attends que ça arrête de bouger, quoi. Hop là. Comment ça? Le spoil, mais t'es fou. Bah, j'ai juste dit que Rosario était dans le... T'as pas vu Clerks 2? Ah. Rien que pour une réplique. Rien que pour une réplique. Ça vaut le coup de voir Clerks 2. Attends, parce que là, faut y aller vraiment, toi... Dernier moment quoi. Oh, t'aurais pu me lancer en fait avant. J'ai lancé là. J'ai lancé mais trop tard. Elle est dans le dernier Silent Jay et Bob. Non, c'est Jay et Silent Bob aussi. La parodie de Star Wars faite par Disney. Eh ben je l'ai trouvé vachement bien. Autant je suis pas fan de l'univers Star Wars, autant ce Mandalorian je l'ai trouvé vachement bien. Donc enfin vachement bien. Ouais, enfin j'ai trouvé la série bien en fait. Peut-être pas vachement mais j'ai trouvé la série bien. Ça, c'était vraiment cool. Comme série. Donc peut-être que ça n'a pas plu aux fans de la première heure. Mais pour les gens qui étaient pas fans, bah c'était ok. Ah mais comment on fait ce truc du coup? Ah bah comme ça, tu vas me montrer comment on fait. Allez, go! Go go Power Ranger. Alors c'est pas comme ça. Non mais il y a du lag, j'ai pas appuyé au moment. D'ailleurs Kevin Smith joue lui-même Silent Bob. Ah bah oui, ça je l'ai déjà dit. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois qu'on va voir Silent Bob, ça va nous faire bizarre, hein, parce que Kevin Smith qui a perdu 50 kilos, c'est plus le même. Hein. Oh bah voilà. Ah voilà. Ah ouais tiens, vas-y on fait comme ça, vas-y. On va y arriver comme ça. J'y crois. Oh. Oula. Ah mais les bordures c'est ok. Les bords de plateforme c'est ok. Regarde, il suffit d'y croire en fait.
Tu vois? Tu vois, il suffisait d'y croire. J'ai cru que j'étais morte, mais... Oh les salauds. Les salauds, ils ont mis le truc dans d'un seul côté, quoi. Allez, les bâtards. Allez, viens par là. Viens par là. Désolé, du coup, j'ai eu un coup de fil. J'ai pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure. Dans vocal avec toi. Tu peux jeter le genius dans la lave. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il a des remontrances contre toi là, Genius. Hein. Je veux pas dire, mais. Oui. Je crois comprendre également. Non, mais c'est bon, c'était pour déconner. Ça va. Si on peut plus rire. Voilà, non, mais c'est ça. J'adore rire. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Non, c'est la flotte. Je confonds toujours. De toute façon, on peut plus rire de rien. Hein? Bon. Attends, est-ce que c'est le bon truc? Non, faut attendre le prochain tournage. Oh mais non, pas tout. Non mais non, je me suis mal exprimé, désolé. Oh non, on va y arriver. Presque. Oh mais merde. Ah bah oui, bah du coup oui, j'ai été téléporté. Ah merde, tant pis. Ah mais si tu me suis pas en même temps... C'est ça, c'est ma faute. Tu sautes dans le vide et c'est ma faute quoi. Allez, non j'ai pas le temps, vas-y. Vas-y, non mais j'ai pas le temps. Merde. Bon, je sais maintenant qu'il faut que je te jette là. Oh, t'as vu? Regarde comment il est gentil, Behemoth. Il te jette dans la lave, mais après il te fait un bisou. C'est mignon. Tu vois? C'est quand même super sympa. Regarde, hop, et je te jette. Ah, et du coup, vu que c'est moins lourd, j'arrive à passer. Ouais, comment ça? Je suis lourde, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui, mais pas en termes de poids. Non, c'est pas ce que je voulais... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il a fait beau chez toi aujourd'hui? On s'est mal compris, c'est tout. Quiproquo? Ah ça y est, regarde, elle veut me jeter, t'as vu? Vous avez vu? Elle veut me jeter. Même ça, j'y arrive pas. Allez, je me casse, salut. Ah mais je continue à aller vite moi. Oh non mais putain, on y arrivera jamais. Hein. C'est quoi ces niveaux de merde? Ah ouais, t'es comme ça toi. Vas-y, tu vas aller vite, moi je vais aller vite. Hein. On peut revenir à la fête foraine, c'est... c'est vrai, hein. C'était vachement mieux. Hein. Ou alors on fait le dernier niveau. Allô? Hein? Pardon? Je dis... Je disais, sinon on fait le dernier niveau. Est-ce que tu as envie de faire le dernier niveau? Il est bien le dernier niveau. Est-ce que j'ai déjà parlé du dernier niveau? Est-ce que vous savez que j'ai une Go XLR? Mais sinon le dernier niveau, t'en penses quoi? Allô Genius? Genius, je t'entends plus. Y a un problème parce que je te vois encore sur l'écran. Mais je t'entends plus. Allô? Allô? Ah, y'a un problème. Allô? Oui. Ça y est. Ah, passe sous un tunnel. Ah bah oui. Le fameux tunnel. Oh, oh bah, c'est exactement ce que je voulais faire. C'était beau. Alors attends. Attends. C'est après. Allez, j'y vais. Du coup, je m'envole. Hein. Alors attends, pour en revenir à Kevin Smith, je suis moyennement fan. Ah, mais pourquoi j'ai encore l'effet ou quoi? Non, j'ai plus l'effet. Moyennement fan de ses films en général. L'humour est bif bof. Le seul que j'aime bien c'est Dogma, donc ouais, génial. Ouais.
Mais Kevin, mais y a pas que des films avec de l'humour, hein. Parce que, enfin voilà, toi, j'ai parlé de Tusk, y a Red State aussi, je crois. Je crois que c'est Red State. Red State, ça, c'est un film sur une prise d'otage dans un, dans une secte. Donc pas du tout drôle et tout, très terre à terre. Enfin donc, il a pas fait que des films d'humour, quoi. Donc auteur de comics, plus jamais interdit d'accéder à des postes de scénariste dans ce média. Il a fait des scénarios de pas mal de séries de l'univers DC, en fait. Donc, il est pas... Enfin, je sais pas, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc, quand tu organises et que tu vois tout le monde se barre et qu'en fait, tu comprends que tout le monde était chez toi, un peu deg, mais voilà. Tout va bien. Oh, mais je suis désolé, BMOS. Je suis désolé. Red State et Yoga Hauser. Ah, je l'ai pas encore vu. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Et d'ailleurs, il y a sa fille dedans. Bah, ça... merci. Ah, bah oui. C'est pas ma faute. Si. Il y a sa fille qui s'appelle d'ailleurs Harley Quinn, sa fille. Le mec est un peu fan de comics, je crois. Tiens, va chercher les pièces. Merde. Je passe le truc de plateforme infernale et je me fais... Mais... Ah bien vu. Bien vu. Et le jeu. Attends. Tiens. Mais oh putain, la perspective, on comprend rien. Et pas... ça monte en fait, c'est ça? Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas comment sont les plateformes là. Oh là là, y a un ennemi. Y'a un ennemi, il a de choum sur moi là. Vas-y, je crois en toi, vas-y. Merci. Oh, heureusement que je suis là. Ouais. Clairement, oui. Ouais, sa fille, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, ouais. Y'a les deux. Rappel avec Kevin Smith aux manettes, on a eu le droit à un Batman urinoir qui se fait pipi dessus. Hein? Et pour Jay Silent Bob, le dernier date de 2019, il était déjà maigre et ça passe. Ah merde, je l'ai pas vu lui. Je l'ai pas vu. Et un Joker vénal en mode j'offre mon cul à tout le monde. En mode sodomie. Ah, je lis avec les points. Hein. Pour régler les situations. Attends, on l'a fait avec les deux là? Enfin, avec tout le monde? Ah bah non, merde. Ouais, mais là on va voler, ça va être trop bien là. Là ça va bien se passer. En volant ça va bien se passer. Easy. C'est ça. J'étais trop loin. Non mais... Mais que... Bof. Bof. Et Kevin Smith a aussi une boutique de comics. D'ailleurs. Non, moi, rien que pour la vanne dans Dogma où il a été à une manifestation contre le film avant le film, moi je... Rien que ça, c'est, voilà, ce mec est génial quoi. Allez. Bim. Oh mais quelle célérité. Magnifique. Ça va? Je t'entends plus, t'embourriner ta manette? Écoute, non, tu me tiens, donc... Ça va? Ah d'accord. Je suis pas sûr que c'était bon. Vas-y, timing, ça. Vas-y. Et on a réussi. Ah non, bah non. Non, bah non, désolé. Je croyais, je... Quoi? Vite, reviens. Merde. Merde, on y était presque.
Oh, puis on reprend là, évidemment. Avec ce truc. Ah non, c'est pas la fin du niveau. Elle se suicide carrément. Elle en a marre, hein. Regardez pas la bonne princesse. Ah. Bah oui, moi je suis la jolie. Bah merci. Bah non, moi je préfère Harmony. Même si elle a qu'un œil. Comment ça, Harmony avec un œil? Ah, t'as déjà vu sous sa mèche, toi? Ah, c'est vrai, là. T'es jamais posé la question? Non, mais elles sont trop lentes. Non, c'est ok. C'est ok! Oui! Oui! Oula! Non, moi c'est passé. Il a fait une suite de l'animé des Maîtres de l'Univers des années 80 qui sera dispo le 23 juillet sur Netflix. Oh là là, mais il fait tellement de choses! Hop, on y va. Bien ouais, Je dois avouer. Je te sens moqueur. Pas du tout. Pas du tout, il y avait plein de plateformes qui marchaient bien. T'as été sur la seule. Il y avait plein. Merde, merde, merde. Survie, s'il te plaît. Bah oui, mais ça je gère en fait, cette partie-là, pas de problème. Mais juste ça en fait. Il est un peu chiant celui-là. Hein. Il y a vraiment des gens qui aiment les maîtres de l'univers. En... Mais les maîtres de l'univers, c'est quoi? C'est Iman, c'est ça? Enfin, par la puissance du crâne ancestral? Ou je me trompe? C'est Musclor, voilà, ok. C'est bien ça. Désolé, hein, moi je suis pas... Je suis pas très calé hein, dans tout ça, moi. Si tu veux, tu peux jouer Mario. Parce que j'ai déjà fait avec Harmony. C'est comme tu veux. Hein? Mais pourquoi? T'as cassé toute notre dynamique là de Luigi et Toad en même temps? Je le reprendrai après s'il faut, mais... On fait n'importe quoi tous les deux. Oui, je sais pas pourquoi t'as abandonné le... Ah moi j'ai abandonné le truc, moi. C'est passé? Pouette, 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 pouette. Il n'y a plus de power-up en fait dans ces niveaux-là. C'est vrai que ils sont un peu radins là-dessus. Hein. Non bah non, non bah c'était pas là. Je m'ai trompé. Cours, cours Toad, cours. Tu es enfoncé dans le tuyau mais attends. Vas-y, reviens. Oui. I am here, I am here. On était trop vite, Faut courir mais pas trop en fait. Oui moi je cours pas en fait, je marche.
Vas-y, vas-y, on se casse. On se casse vite, vite. Laisse-moi le drapeau, laisse-moi. Ah, putain, on savait pas ça. Putain, c'est malin. Maintenant qu'on a fait la moitié du jeu. Ah ouais, en fait, quand on est tous les deux petits, on peut. Il y en a un qui porte l'autre et du coup, on passe tous les deux grands, quoi. Oh là là, mais ça ouvre tellement de possibilités. Ah, je peux pas faire de. De ground pound, donc vas-y. Viens prendre ton boomerang, qu'on se casse la gueule. En fait, on croit qu'on fait du boomerang, mais en fait, pas du tout. On porte l'autre. Ah non, attends, trop vite. Non! Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller où? Il faut aller où? Ah, j'ai réussi à passer en dessous, moi. Attends, je suis en dessous. Regarde. Oh, ce vieux truc nul. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, va pas en arrière, va pas en arrière. Déconne pas, hein. Hop, donc vas-y. Regarde, faut aller là. Comme ça. Le petit chien, le petit chien. Vas-y, fais le petit chien. Attends, on peut aller en haut. Voilà. Hop. Attends. Bah regarde, tu peux aller là. Pourquoi il arrive pas à faire un saut arrière? Il sait pas le faire. Mais regarde, en fait quand tu veux faire un saut en vraiment très haut, tu fais hop, ground pound, et après tu ressautes et tu fais un super saut. Ah oui. Ta-da-dam, ta-dam, ta-dam. Merde, merde, merde. Putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu t'es pointé sur moi en fait. Au moment où je voulais balancer mon boomerang en fait, tu t'es pointé sur moi. T'es où? Je te vois. Je suis en bas. Ah. Ah, ça va être chiant. Il coûte deux heures pas. Oh. Ouais, ok. Du coup, il s'arrête là? Ah oui, d'accord, faut aller là-bas. Non, vite! Oh putain, oh, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur! Après, un dessin animé récent, mon préféré, c'est peut-être Kipo et les animonstres. Moi, je trouvais ça très beau concernant l'identité secrète. Oui, vu le déroulé du scénario, la réécriture du Smith Shira. J'ai trouvé ça assez pertinent. Bon, l'appel de l'estomac est plus fort que tout. Je vous laisse des gros bisous à Tony Hub et Genius. Des bisous aussi au chat, c'est spécial pour Melzekiel. Et bah des bisous BMOS. Et encore désolé ouais, de t'avoir lâché comme ça sur Mario Kart. Vraiment désolé, je pensais vraiment qu'il y a des gens qui resteraient et que on serait pas tous là à fuir en même temps. Mais c'était vraiment cool, enfin voilà, moi j'ai vraiment apprécié la game. Et je pense que la prochaine fois en vocal, honnêtement on a été sage hein, sur le vocal. Hein. Et, même moi c'est pour dire... si j'étais sale sur le vocal, c'est que c'est ok pour tout le monde. C'est passé, y'a pas de soucis. L'amour triomphe toujours. Non. Non, non. Sinon, y'aurait pas de guerre, en fait. Le vocal, c'est plus pour vous. Des fois, je râle. Mais en fait, indirectement, j'avais le fait que tu râlais. Parce que Genius était sur sur ta chaîne. Et regardait en même temps. Et donc, elle me rapportait... Elle me rapportait à chaque fois que tu gueulais en fait. Donc finalement, ça serait mieux si on était directement en vocal. On est vraiment gâtés et mes filles ont des figures positives féminines fortes auxquelles s'identifier, ça c'est la fête. Ouais, ça c'est cool, ouais, c'est cool qu'il y ait des. Que ça s'ouvre et que ça soit pas que des mecs maintenant. Qui aient des gros muscles. Ouais, tu veux jouer Luigi ou tu veux le jouer à un autre perso là? Hein? Tu joues ce que tu veux. Là, tu peux jouer ce que tu veux. Donc, choisis comme il te sied. Pour les fans de Mario de YouTube.
Non, c'est une vanne, ça va. Oh, arrêtez un peu. Hein. Melzekiel, quoi? Ah! Oh putain, mais j'en fais la même, quoi. Putain, mais Luigi, quoi. Luigi, je le déteste. Je le déteste. Allez, allez, j'y crois là. Cette fois-ci, j'y crois. Putain! Me revoilà. Oh putain, putain, putain! J'ai cru qu'on était morts tous les deux. Ah, mais moi aussi. Mais pourquoi le putain de Goomba vient sur ma gueule, quoi, et Oh là là, mais. Oh mais non mais... J'ai refait la même quoi. En avant, en arrière. En avant, non mais direct, oh, mais direct. Non, mais je suis tombé direct. Il y a des super guerrières dans Dragon Ball. Ah bah pour une fois ça change. Ah, ah, ah le respawn à côté. Non. Oh mais là, le là. Jeu quoi. Ah mais avec Luigi... Oh, franchement avec Luigi c'est atroce hein, c'est atroce. En fait, le respawn, il est une certaine distance derrière le personnage qui reste. Et du coup, sur ce genre de plateforme, c'est galère. On est bien là, regarde. Oh. Ah, par contre, ça s'arrête dur, quoi. Oh ah, mais merde, j'ai regardé le chat. Toriyama est très conservateur quant à la place de la femme dans la société adolescente. Elles sont badass et sexy, puis elles se marient ou un enfant. Et se transforme en parfaite bobonne à la maison, qui fait la cuisine, le ménage, et s'inquiète des études de leur enfant, et boule la bagarre c'est mal. C'est vrai que dans Dragon Ball... Non mais non. Non oh, putain. On est d'accord, je sais pas ce qui... Qu'est-ce qui motive ce changement? Le patriarcat. La misogynie. On continue ou pas? Est-ce qu'on continue ou pas? Oh là là, mais il fait des... Non mais c'est... Non mais j'arrive plus à parler. Hein. Moi, Luigi, il me fatigue. Hein. En fait, déjà, on se met sur la... Déjà, on se met au même endroit. Donc déjà, c'est une connerie, en fait. Parce qu'on se gêne. L'un l'autre. Tout à fait. Ça y est, on a compris le truc. Ça y est, on a tout compris. On est des génies. Bah, faut qu'il y en ait un qui porte l'autre. Ah, hein. Oh, mais regarde ça. Mais non, on revient. Ah. Vous avez vu qu'elle m'a acheté un. Je me suis déjà fait jeter par des meufs, mais pas comme ça. Jamais comme ça. Hein. Vraiment. Oh, putain, mais elle me pique le truc. Hein. Elle me déteste. Vous avez vu qu'elle me déteste. Ah, mais on s'amuse, quoi. Ouais, tu t'amuses, on est d'accord. Ouais, d'accord. Tu t'amuses à me bolosser, ça y est. Tu t'es dit que t'allais remplacer. Putain, mais je suis passé en dessous encore. Mais comment on peut passer en dessous? Sans déconner, le truc il est collé. Oh là, ça m'énerve. Ça y est, tu t'es dit tiens, je vais faire comme Avorpal, ça marche. Avorpal, il arrête pas de bolos ce pauvre Tonyob à chaque fois qu'il joue avec lui. Je vais faire pareil. Vas-y, descends. Mais les sauts de Luigi, quoi. C'est pas grave, tu vas revenir, regarde. Hop, tu vas revenir, en plus on va avoir les power-up. Voilà. Mais elle m'énerve. Elle m'énerve. Je me casse, allez. Allez, salut hein.
Mais non, mais je suis passé en dessous. Mais pourquoi ça va si vite ce truc? Attends. Hey, cours Mario, cours. Merde. 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 Oh là là, forcément. Et forcément on crève au même moment quoi. Non, descends. Ça c'est pas gentil. De quoi? Vite Mario, sauve-toi. Tiens. De quoi qui est pas gentil? Bah tu m'as fait perdre ma casquette. Et tiens, regarde, tiens. Tiens, lave-la ta casquette. Non, j'aurais pas dû te prendre ça. Voilà. Bah voilà, au moins tu vois, on a le même power-up maintenant. Merci. J'ai plus l'habitude de jouer Mario, je crois. Ah bah une fois qu'on est habitué à jouer des persos de merde, on s'y fait. Oh putain, je suis allé tellement vite. Il a pris une accélération, ce con. Pourquoi j'ai arrêté de marcher? Oh. Allez, let's go. Ça y est. Ça y est. On a fini ce niveau de mort là. Ça se voit qu'on avait le même niveau là. On avait vraiment le même niveau sur ce truc. Je te propose un dernier niveau. Et on s'arrête. Oui, ça marche. J'ai faim. Je commence à avoir faim également. Ah bah tu vois, c'est parfait. Oh, putain, mais 800... Mais on perd tant de vie que ça, sans déconner. Je sais pas comment c'est compté. Bah c'est commun en même temps. Ouais, ouais, et puis ça doit être à chaque fois qu'on tombe dans un trou. Enfin, tu sais, à chaque fois qu'on meurt en fait, ça doit vraiment compter. Change de perso, change de perso. Tu crois qu'on perd une vie à chaque fois qu'on meurt? Bah je pense, ouais, enfin tu sais à chaque fois qu'il y en a un qui tombe, ouais je pense que... Ah oui, c'est ce niveau. T'y as cru hein. Ouais, bah voilà, moi j'étais derrière donc c'est mort quoi. Ah on va bien rigoler. Attends, c'est le dernier mais... c'est le dernier mais je crois qu'on va bien s'amuser. Est-ce qu'il y a moyen de l'attraper vraiment avant la fin plutôt? Non, 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 enfin je... J'avais essayé, j'avais pas réussi donc... Oh là... Ah il m'attend! Oh, oh là là, mais les... Oh ah c'est dommage. Bah ouais, c'est mais dommage. Il saute tel... En fait, ouais, c'est... les plateformes elles sont faites pour Mario quoi donc. Attends, si je te jette dessus. Tu crois que ça marche si je te jette dessus ou pas? Tu peux essayer. Non. Mais... Oh là là, mais ta mère le jeu quoi. C'était joli. Ah, c'était très joli. Je vais mourir, mais avec style. C'est ça. Honnêtement, 9 sur 10 pour la beauté du truc. Ah, mais tu vas tellement vite, toi. Je suis devant. T'as les devant. Ah bah, mais trop bien. Yes. Ah bah si, on peut le choper avant. Je me suis dit, je tente, hein, je suis devant. Bah ouais. Bien vu. Extraordinaire.
Bon bah voilà, bon bah tu peux le jouer avec n'importe quel autre perso hein. Ah mais en fait on peut le faire qu'un par un là. Ah non, ou alors faut vraiment qu'on le chope en même temps. Ouais, si j'étais pas mort peut-être qu'on aurait pu. Bah faut attendre d'aller au bout je pense. Si on peut tous se choper en même temps. Non parce que là tu vois quand tu l'as chopé après il y a un petit délai où il était arrêté et que moi j'aurais pu le rattraper quoi. Bon cette fois-ci c'est moi qui vais aller plus vite par contre. Mais putain drapeau de merde. C'était risqué là. J'ai tenté pour te rattraper un peu mais sur un malentendu. Ma manette elle a bugué. Ouais, c'est pour ça que je suis mort, hein. C'est parce que ma manette elle a bugué. Oui, je te crois. Non, regarde. Voilà. Arnaked. Non, mais sans déconner. Non, mais. Pourquoi il accélère pas là, sans déconner? Il se fout de ma gueule. M'en fous. Ok. Yes. Bah tu vois. Merci la belle. Il nous reste plus que Peach. Oui. Hein? Attends, c'est moi qui chope le drapeau en premier? C'est toi qui as tous les points? C'est injuste. J'ai rien. J'étais dans ma bulle tout le long, quoi. Dommage. Alors, je vais essayer de revenir à un moment. Genre maintenant. Ah. Je pensais que la diagonale passerait, mais... Oh mais elle se traîne quoi. Putain mais c'est infernal. Ah, faut vraiment le doubler en fait. Oh là là. Bien joué. J'ai eu peur, j'avoue j'ai eu peur. Oui, Didit. Yes. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, il reste encore 5 stages ici. Après, il y en a moins dans le champignon. Après, il y a le fleur, il est énorme quoi, lui. Mais. Ouais. Et bah, merci YouTube de nous avoir suivis avec autant de skills. Est-ce que tu veux faire des bisous à YouTube? Bisous YouTube. Merci à toi.